C'est Sabrina Puyarawa, je suis la coordinatrice de développement de l'ENSA Arriva. Je me charge d'un certain nombre d'activités transversales, c'est-à-dire je ne suis pas rattachée à un département particulier. Je m'occupe d'un certain nombre de projets de croissance, et plus de projets stratégiques pour la société actuellement. Ah, super, on applaudit le diapositive. Ok, je vais essayer de faire court. En espérant que M. Sylvio Tumani arrivera cet après-midi pour un petit peu plus rentrer dans les détails en représentant la société. Donc ENSA Arriva, voilà ce que je voulais vous présenter. C'est tout d'abord une société familiale. Donc, c'est une société qui existe, hein, qui est née en 66 et qui ensuite s'est focalisée vers la production de boissons en Tetra Pak, la première société qui a lancé le Tetra Pak. L'emballage en carton, la gêne aseptique. Donc la transition réunit une entreprise familiale, oui, mais une entreprise qui a su faire passer le relais de l'ancienne génération à la nouvelle génération. De 1966 à 1999, c'était la gestion familiale par les frères Otmani, donc salaire et CAE, etc. En 1999 à ce jour, c'est on est dans une société, on s'établit sur une surface de 11 000 m². On est l'une des sociétés qui arrive à, qui a le meilleur potentiel entre capacité de production et surface. Surface de production. Donc on est seulement sur 11 000 m². C'est très peu comparativement à nos capacités de production. Au niveau de nos capacités de production, vous avez les résultats ici. En 2013, nous avons fait 235 millions d'unités. C'est-à-dire pack de jus et bouteilles en PET, puisque nous avons lancé, nous sommes lancés dans le PET. Et vous voyez notre train de croissance depuis 2009, où notre production ne cesse de croître. Donc voilà une petite illustration de nos lignes de production. Excusez-moi. Voilà. Notre métier, c'est de produire et de distribuer, de vendre, bien entendu, des jus de fruits de qualité. À côté de ça, Arriva est largement engagée, vous avez pu le lire dans différents articles, dans tout ce qui est management, et donc on a un grand engagement et de qualité, et dans la responsabilité sociétale de l'entreprise. On est la première entreprise à avoir intégré les principes ISO 26000. On est fondateur de l'Institut Hakama Jazeel, qui est l'Institut de gouvernance entreprise. Arriva a rédigé le premier code algérien de gouvernance entreprise. On est certifié 9001, 14001, 22000 et on engage actuellement une démarche de traçabilité. Donc, qui est en cours là, actuellement à l'usine. On est sur la phase 1. On clôturera tout ça en septembre. Voilà. Au niveau des marchés de jus de fruits, l'idée était un petit peu de vous parler aussi des marchés de jus de fruits en Algérie. C'est quoi les marchés de jus de fruits en Algérie? Au niveau du Maghreb, nous sommes les premiers consommateurs de jus de fruits, de jus et de boissons. Donc, comme vous voyez, on est au niveau du marché, au niveau de la consommation maghrébine, l'Algérien consomme la moitié. C'est-à-dire nous sommes des gros consommateurs de jus et de boissons. Le marché algérien est estimé à 650 millions de litres. De ces 650 millions de litres à 2013, nous, on a produit 90 millions de litres en 2013. Donc la croissance du marché, pareil, ne cesse de croître, comme vous voyez au niveau de la croissance. Donc voilà. On est encore en croissance. On tendra à être un marché bientôt mature. Cependant, avec l'évolution démographique, ça reste un marché qui croît chaque année. Ok, au niveau de la croissance de votre chiffre d'affaires, vous voyez qu'on est une croissance à deux chiffres. On est certes, notre contribution à valeur est spécialisée sur le tétra, c'est-à-dire sur l'emballage en carton. Excusez-moi, c'est vrai qu'on est... notre emballage en carton est du tétra. Donc on est au niveau de la valeur, c'est 91% au niveau de notre contribution à valeur sur le carton, et au niveau PET, c'est du 9%, 10%, mais on vient de lancer le PET. Et on est en train de prendre beaucoup de place, et on est en train de construire notre positionnement sur le PET en Algérie.
Donc voilà, on est toujours bien entendu les raisons de la croissance, l'amélioration continue, l'introduction de nouveaux produits et le déploiement constant de nos réseaux de distribution. C'est les trois raisons de notre croissance. Ça, c'est le schéma de distribution de notre pays. Voilà, grosso modo, vous savez, vous achetez du jus généralement, vous l'achetez soit dans des épiceries traditionnelles, soit des supérettes, supermarchés, hypermarchés, ou des hôtels, restaurants, cafétéria. Donc ça, c'est un petit peu comment se construit le réseau de distribution en Algérie, qui est spécifique, parce que voilà, les épiceries traditionnelles ne sont pas un modèle de consommation important, par exemple, dans les pays en Europe. En Algérie, c'est comme ça. Ils représentent 50% de la totale, du total des points de vente, du point de vente. Donc voilà, donc nous au niveau de notre couverture, on couvre la totalité des points de vente supérettes et quasiment la totalité des alimentations générales. C'est-à-dire que grosso modo, ces schémas vous expliquent qu'il n'y a pas une supérette ou une alimentation générale en Algérie qui ne dispose pas de rumba sur son étalage. Et ça, c'est la force de notre réseau de distribution. On est fort de ça. Ce qui est assez compliqué puisque c'est un autre métier. Il faut être fort dans la production, dans l'innovation, dans la qualité, mais aussi dans la distribution. Il faut qu'on puisse rendre nos produits accessibles. Voilà, donc comment on l'aura accessible? On a un réseau de canons, voilà, comme vous pouvez voir dans la petite illustration. On a 125 personnes sur les 510 salariés qui composent la totalité de l'effectif NCA. 125 sont, travaillent dans le département commercial. On a une force de vente directe, on fait de la distribution directe au niveau des points de vente et on travaille beaucoup sur le trade marketing et sur la visibilité de nos produits au niveau des points de vente. Et c'est normal parce que la concurrence est là et on doit être là, présent et être attractif pour le consommateur. Voilà, perspective à l'international, on s'ouvre à l'international. On a jusqu'à présent fait quelques opérations en Europe, au niveau des marchés communautaires, aux États-Unis et aussi en Tunisie. Cette année, c'est, on se réserve une vraie stratégie à l'export et on organise ça. On a maintenant toute une équipe qui est réservée à cette activité-là qui est l'exportation, et ce pour pouvoir être le leader maghrébin. Voilà. On est membre aussi du consortium de l'exportation avec quelques autres entreprises au niveau du consortium des exportations de la moisson, parce que c'est vrai que nos entreprises, les entreprises algériennes ne sont pas fortes encore des exportations. Donc on doit travailler là-dessus, certes, nous, mais aussi on doit familiariser toute l'administration qui a autour de la démarche d'exportation pour faciliter l'export. Voilà, j'ai quasiment fini. Donc nos projets, maintenir notre position de leader sur le carton, devenir un acteur important dans le PET, puisque c'est l'un des modes de consommation, c'est dans le PET le plus développé en Algérie, diversifier nos packagings, être tout le temps dans l'amélioration, dans l'innovation, le rendre mobile, le rendre accessible, c'est-à-dire que c'est vrai que notre produit est un produit de qualité, donc c'est un produit qui a une référence prix un petit peu au-dessus des concurrents, mais ça se justifie par notre référencement de la qualité de la lumière. Salut, ça veut dire qu'il faut que je me taise. Donc, on va le faire. Et aussi par l'innovation. Augmentation de nos capacités de production, toujours, et explorer éventuellement aussi d'autres segments. Notre idée aussi est à terme de valoriser notre compétence, notre savoir-faire dans la boisson dans d'autres segments de l'agroalimentaire. Voilà, et parce qu'en plus, ça vient moins de nous que des consommateurs qui réclament en disant « Mais pourquoi Ruba ne se lance pas là-dessus » Nous, on a confiance en la marque et acheter d'autres produits, pas que de la boisson Ruba, ça rassure les mamans et ça rassure tous les consommateurs. Voilà, j'ai terminé, j'espère ne pas avoir été trop longue et vous avez un petit peu compris. Je suis désolée si c'était un petit peu de... J'ai un peu meublé, j'espère que ça a été, que vous avez bien compris notre société. Je vous dis à tout de suite, parce que je pense qu'on est en workshop ensemble. Merci.